Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la Prusse qui est devenue la Confédération d'Allemagne du Nord qui est devenue l'Allemagne. Lors de l'épisode précédent, on avait essayé de transférer les sujets moldaves et valaches. Hélas, ce saligo-là, il les a libérés avant. Donc j'ai rien récupéré à part la libération de la Bosnie-Herzégovine et de la Bulgarie. Et la France avait décidé de faire une sécession. Bon, on va se remettre à construire des bâtiments parce que également on a un sol qui est assez bas. Et le but, ça va être de le booster comme il faut. Au niveau du soufre, je crois que c'est en Prusse occidentale. Ah oui, mais j'ai pas assez de voies ferrées, c'est pour ça. Ok. C'est pour ça qu'on galère un petit peu. Et il n'y a pas encore assez de péons qui travaillent. Ok, ça me va. Pourquoi ils veulent passer ça en nitroglycérine? Je comprends pas. C'est bizarre ça. La route du progrès, les industriels ont exprimé leur satisfaction en voyant la direction que prenait ce pays et ses usines nouvellement construites. Plus de loyaux, plus de loyaux. C'est par le peuple que nous faisons cela. Que nous faisons cela. Oui, non, mais j'ai pas mis assez de trucs à construire, je suis bête. Ça je peux pas, ça je peux pas. Ça me demande du vin, ça m'a ça besoin d'armes, tiens. C'est en Rhénanie que j'en ai. Oui. On va augmenter de 4 niveaux. Non, même pas. J'ai une idée. Enfin, j'ai une meilleure idée. On va augmenter en... fusil et canon lisse. Par contre, ce qui fait que j'en ai peut-être beaucoup. En Saxe, je vais les retirer. En Dalmatie, je vais retirer. En Transnubie, je vais retirer. En Tyrol, je vais retirer. Et là aussi, je vais retirer. En Rhénanie, en vrai, pas besoin non plus. Hop là, voilà. On va voir ce que ça va donner. Oh, purée. Modernisation, pardon, de l'arsenal. Le passage de la production à grande échelle des mousquets à canon lisse aux fusils dans les manufactures d'armes de Rhénanie du Nord-Westphalie a marqué le début d'une nouvelle ère de production pour la production, pardon, d'armes légères en Allemagne. Ok. Et ben on va continuer sur les armes à répétition. On va améliorer tout ça. Le truc c'est que est-ce que j'en produis assez? Mais ça devrait augmenter. Hein. Ah, la production augmente. Ça me va. Là, ok. J'ai vu que j'avais des faibles accès au marché en Brunswick. Là, je crois pas. Ouais, voilà. Il me semblait pas que j'avais de voies ferrées en construction. Là aussi. Mais on va retourner en Hongrie centrale parce que je sais pas si j'ai assez. Ça devrait être bon. J'ai assez de moteur, c'est bon. Train posté disponible. Là, plus de 1%, plus 1, pardon, de plafond. De niveau de bâtiment sur les économies d'échelle. Ça c'est good. Et on va passer maintenant sur une techno militaire. J'aimerais bien passer sur les tranchées. Il me manque une... Ah oui, il manque le télégraphe électrique. Ça va me prendre combien de temps? 15 mois, c'est rapide. Hop, là. On a un nouveau lieu de débarquement. On vient de débarquer. On va pouvoir avancer comme il se doit. Parce que là, on est en train de perdre en plus. Et évidemment, ce qui s'est fait bouffer un morceau de l'île de France, il va s'en faire bouffer un autre morceau. On n'est pas assez rapide. Il reçoit plus de renforts que je lui fais de victime. Donc, à part si j'arrive à aller en île de France directement. Et les aider
ça ne passera pas. Et j'ai bien l'impression que c'est pas la route que ça prend. Ça va partout sauf où il faut aller par là, oui, tout droit. Non, non, c'est pas par là, s'il te plaît. Surtout pas par là. Surtout pas par là. Il y a un endroit où faut pas que t'ailles, c'est vers le nord. Bon, hélas, ne pas aller vers le nord pour lui, c'est aller vers le nord. Base navale. Ah, j'ai besoin de... J'ai besoin de manoir. Allez, on va faire ça. Quoique, c'est plus compliqué que ça en a l'air. En Vénétie, en Croatie, non, voilà. En Vénétie, en Istrie. En Istrie, tu fais ça et tu te concentres sur ça. À Mecklenburg. Ça, c'est bon. Ok, on est bon. On a rééquilibré, je crois, hein, le marché des manoirs. Pas du tout. Bah. J'étais persuadé que c'était bon. C'est quoi ce délire? C'est pas grave. On peut, voilà. Alors là, voilà, là, il a atteint l'île de France. C'est... Ah non, il a pas atteint. Si, si. Si, si, si. Là, c'est le moment où il faut que je gagne, moi. Là, c'est le moment où il faut que j'avance et que je fasse pile ce qu'il faut. Voilà. Tout le monde en route là-bas, les gars. Je veux pas savoir. Vous allez libérer l'île de France. Sinon, on va perdre notre allié, là. Et toi, tu passeras en défense. Voilà. On a ouvert la voie, là, vers l'île de France. Et c'est pile ça qu'il nous fallait. Juste avant. Appartient à qui? Appartient aux radicalistes. Et mince. C'est pile ce qu'il fallait pas. Bon bah c'est dommage. Ça sera pas joué à grand chose hein, mais... Bon là on a une petite défaite. On va les remettre en défense. Ça sert à rien de rester en attaque. À part subir plus de pertes. Et là, pas de chance. Hein. Là, ça a réattaqué, mais pas où il faut. Ça a réattaqué ici. Allez, si vous attaquez au bon endroit, on a encore moyen de gagner, quoi. Allez, les gars, je crois en vous. Ici, là. Non. Non, je crois plus en vous, les gars. Oh! Si, c'est bon, on a gagné. Je sais pas comment, mais on a gagné. On n'était pas en train de gagner, on a gagné quand même. Wouhou. Notre budget est très clairement remonté. Vraiment de manière très importante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la production à fond et je vais voir si ça tient le rythme ou pas. Au niveau des vêtements, je peux améliorer ou... Non, même pas. Ouais, mais on n'a pas assez. Où est-ce que j'en produis d'autres? Ouais, ici, ouais, mais... C'est pas ouf. Ça, c'est pas bon. Si, ici, si, ouais, ici, j'aime bien faire des vêtements. On est bon en Lombardie au niveau infrastructure. J'en exporte pas. En vrai, en Lombardie, ouais, je peux pouvoir faire un coup. Hein. Hop là. Tac et tac. On va avoir besoin de plomb. On en exporte. Alors j'en ai ici. Oh oui, j'en ai plein ici. J'ai encore des ouvriers, donc c'est bon. On va faire
2 voies ferrées, 20 mines de plomb, le soufre, comme d'habitude. Ah non, je n'ai plus assez de... Le travailleur, on va devoir le faire en Silésie. Silésie, donc j'avais dit. J'en ai fait 20. Je vais rajouter ça. Ce qui fait qu'en grille centrale, je vais devoir avoir besoin de rajouter au moins. Allez, on va être sûr. Là, j'ai des fonds d'investissement, donc ça compte pas. Parce que là, je suis... ouais, voilà. Bon, on n'est pas trop mal. En vrai, j'ai la liste de construction là qui est au maximum. Vous pouvez voir. Et je perds seulement 100k. Donc c'est dire à quel point on a amélioré notre économie depuis qu'on a fondé la Grande Allemagne. Ça se voit au niveau du PIB, ça commence à re-augmenter un peu. On peut voir ça très timidement, mais sûrement. On s'entend bien avec eux, on s'entend très mal avec eux. Je vais voir si je peux améliorer mes relations avec l'Égypte. Vu qu'eux également ils s'entendent mal avec l'Empire Ottoman. Ville d'abondance. En Saxe. Qu'ils fassent la fête. D'ailleurs, un autre truc aussi, c'est que je vais peut-être devoir un moment améliorer tout ça. Et là. J'avais pas vu. Je vais passer. putain, moins 430 d'infrastructures. Bon. On consommera moins de bois, on consommera beaucoup plus d'acier. Diminution de l'emploi, mais on aura un peu moins d'emploi également. Donc. Allez. Wagon de passagers en acier. Allez hop, c'est parti. Bon, ce qui fait qu'à mon avis, je vais avoir besoin d'un peu plus d'acier. En bois, on va en dégueuler, non? Y a pas de ça? Oui, si. Le fer, oh la vache. Ouais, le fer, forcément. Là, quand j'ai les productions au max, ça, on consomme. C'est pas une surprise. Allez, 20 mines de fer en Bohème. Du plomb, j'en exporte, donc ça va être bon. Du charbon, j'en exporte pas par contre. Un pour en refaire 10. En Brunswick, est-ce que j'ai des voies ferrées? Oui, recrute. Et en S, des voies ferrées recrute. Très bien. Ok, tout là ça colonise. D'ailleurs, je vais pouvoir établir des colonies dans la vallée du Grand Rift, dans le Tanganyika, au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Héréroland et en Namakaland. Voilà, on colonise au maximum. Voilà, pas de surprise. Par contre, si je peux, au niveau des institutions, augmenter ça, ouais. Ça me coûte combien? 605 bureaucratie par niveau. Et on va augmenter l'éducation. Ça va nous demander un peu plus de bureaucratie, tout ça. Ah, le tissu est cher. Vraiment? Ah ouais. Comment ça se fait? Je suis bien en pâturage intensif, j'en ai pas assez. J'en exporte. Bah, je vais en importer. J'ai pas mal de convois dispo. Ah, ça me coûte beaucoup moins de convois le marché britannique. On va en importer du marché britannique. Et également, vu que j'ai fait des colonies, je vais avoir besoin de faire des ports pour y accéder. Hein? Ici. Faut que je me souvienne où est-ce que je les ai fait.
3, 4, 5, c'est tout. Oh non. Région du Grand Rift est isolée. Comment ça? Ah non, j'ai un port ici. Ah oui, d'accord, c'est juste le temps que ça se recalcule. Lui, j'irai le chercher plus tard. Ces deux, ces trois là, hop, 4, 5 même. J'irai chercher, t'inquiète pas. Voilà, ce qui fait qu'on a... En plus on a la quinine. Donc ça va un petit peu accélérer, ça a un petit peu accéléré, mais c'est pas encore très très efficace. Il me faudrait la prévention contre le paludisme. D'ailleurs, je peux partir là-dessus. Hein. En vrai de vrai, de suite. 5 ans. 15 mois, 5 ans. Ça fera l'affaire. Hein. Ça fera très largement l'affaire. Oh, le PIB. On a le solde qui augmente. Faible accès au marché en Silésie, mais ça recrute. Pacte défensif, est-ce que tu me demandes une obligation? Non, alors non, merci. C'est bon, le fer est cher, mais le fer, c'est en train de se faire, j'ai envie de dire. C'est au niveau du marché d'ailleurs. Quoi, j'en importe tant que ça? Non. Oh la vache! Ah si! Oh, j'en importe la moitié de ma prod! Oh, j'avais totalement oublié cette route commerciale. Oh. Ah ouais! Ah oh, oui, mais attendez, hein. On va changer tout ça. Hein. Hop là, voilà. Tac, tac, tac. Tac, 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 et tac, et tac. Bon voilà, j'ai fait quelques quelques campements de bûcherons là. Ah bah là, je peux vous dire que si jamais je suis encore en déche de bois, faudra vraiment faire quelque chose. Oh la vache. On a encore pas mal de radicaux, mais c'est normal. Guerre psychologique, attention. Syphilis. Bon, il va se retirer, c'est pas très grave. Les ventreurs derrière les barreaux. Alors, plus d'autorité, ouais. Helmut von Moltke. Il vient de qui, lui? Bon, on l'a eu. Ah, il fallait pas faire de bêtises. Hein. On l'a mis. Au bout d'un moment, si tu fais des bêtises, tu assumes. Affaire intérieure, pas d'affaire intérieure. Ah, j'arrive, je pourrais pas le faire passer facile. Dommage, police secrète, c'est tellement fort en plus. Et moins 14. À part des élites intellectuelles, ça peut faire mal. Ouais, on va pas le faire de suite. Hop là, regardez le solde qui remonte.
ça recrute parce que... Ouais, c'est bien, en engrais, on est correct. On a à peine trop d'engrais. Ce qui fait que la production d'explosifs qui est liée aux engrais, elle est bonne. Ok, là, on a tout ce qui est soufre. Alors on va pouvoir enfin commencer à remettre le budget comme il se doit. Sachant qu'on a encore 36 000 de dépenses. Ah non, ils sont où? Oh, j'ai plus d'intérêt. Ah, je pensais que j'avais 36 000 en intérêt, mais non, 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 non. On a même plus d'intérêt, les gars. C'est fort, hein? Valeur rotative, ouais. Ça fait utiliser moins de main d'œuvre dans les usines, mais moi ça me va là, avoir beaucoup de main d'œuvre prise. Ça fait moins de chômage, ça fait plus de rentrée d'argent. Enfin voilà. Ah, on a rebaissé un petit peu en PIB là. Pas de grand chose, mais hop, allez, on va pouvoir passer au stade du dessus. Et très bientôt, on est vraiment au restade du dessus, ça c'est cool. Ah bah, du coup la petite bourgeoisie, ils sont contents. Le fait que la petite bourgeoisie soit contente, ça me donne plus de production que vous avez vu, hein, de bureaucratie. Allez hop, on va même pouvoir refaire passer en normal, impeccable. Prochain objectif, 188 000. Pour faire baisser les impôts, parce que là, les pauvres, ça fait bien 10 ans qu'ils raquent comme des gros sales. Après, je veux bien, hein, leur niveau de vie s'est amélioré, etc. Hein, quand même. Hein. Là, bon, il a baissé aussi d'un coup. On peut voir là par là, il a baissé. Mais par rapport à il y a quelques années, il a pas mal augmenté. Hop là, alors non, là, faut pas que je me laisse avoir, j'ai pas assez de construction, c'est pour ça que ça a augmenté. Du fer, du fer, du fer, du fer, j'en exporte de l'acier, je veux dire, mais il va m'en falloir vraiment un paquet. Donc 5 voies ferrées et 20 aciéries. Au niveau du verre, j'en exporte également. On va continuer d'en exporter. Hop, plus 20 verreries. Des outils. Oh, j'en exporte, mais on va continuer d'en exporter aussi. Voilà, une tactique. toujours pareil. ouais. Où est-ce que je vais en faire? Ça, c'est la bonne question, ça. Un béquet? Ouais, béquet, c'est ça. Tac, bim. Du charbon c'est en Silésie. Non, c'est pas en Silésie. Où est-ce que je le faisais? En Bohême. Bohême ou en Saxe? Apparemment c'est en Bohême, je n'ai pas trop le choix. Attends. Mais ici j'en ai beaucoup en Bavière. Ah, voilà. En plus, j'ai ce qu'il faut en infrastructure. Impeccable. Voilà, on a relancé pas mal de constructions. Bon, toi par contre, faudrait vraiment que tu y restes, hein. Tu es haï, personne ne t'aime, bandit. Voilà, dégage. Tu as 3 malus pour un bonus, c'est vraiment pas ouf. Le papier est un peu cher. Attends. Je crois qu'au niveau du papier, les bâtiments, je peux les améliorer. Si j'ai bonne mémoire, c'est où? C'est où? Ouais, c'est ici. Ah, ça me demande de la teinture. En soi, la teinture, j'en ai ici, hein. Voilà.
Hop, et budget. Ah zut, pas encore. Oh, bah dis, ça se passe pas bien au Brésil là. Oh non, ça se passe pas bien au Brésil. On va voir comment ça se passe un petit peu partout. On fait un petit point vite fait. Ah, quand même la belle Allemagne. Ça, je m'en fiche. Là, ça va grandir tranquillement, mais sûrement. Obligation espagnole. Est-ce que je peux l'utiliser quelque part? Non. Ouais, je vais lever l'obligation, ça augmentera mes relations. Avant qu'elle se lève toute seule. Là, je l'ai perdu l'obligation ici, c'est pas grave. J'ai plus beaucoup de bureaucratie, mais là ça va augmenter. Ok, c'est bon. Ça, j'aimerais bien lever la censure, mais c'est pas possible. Ça, on est passé comme il fallait. Ça, ça va coûter trop cher si je le fais. On a matière de public, d'ordre public niveau 5. On a colonisation niveau 3 qui vient de passer. On va avoir éducation niveau 4 qui passe. Ok, donc on va plus avoir d'augmentation de consommation du solde. Là, par contre, 25% de pénalité d'État engendrée par le degré d'agitation, 25% de radicaux engendrés par l'élimination de niveau de vie. Ouh, je peux vous dire que là on va en avoir un peu plus des loyaux normalement. On a déjà beaucoup plus de loyalistes, voilà. On devrait avoir peut-être un petit peu moins de radicaux à terme. Fonds mutuels disponibles. Ouh. Côté en bourse, côté en bourse, côté en bourse. Sauf que on est encore en interventionnisme. Les capitalistes, ils contribuent, mais à hauteur de 25%. Si je veux vraiment qu'ils contribuent, il me faut ça. Ou... Ouais, non-interventionnisme. Ça, non, bah non, ça prendra pas. On va voir. Imaginons, là, on fait... Mon cote en bourse, ça va me faire quoi? Bah rien. C'est même pas rentable pour moi de les coter en bourse, donc on va pas les coter en bourse. Je dois pas avoir assez de capitalistes. Allez, on va diminuer ça. Son attitude au sujet. Oh là là. Alors, je vais quand même voir parce qu'ils ont pris cher les industriels. Et là, ça me ferait augmenter les forces armées. Et j'aurai le bonus. Donc oui, on va y remédier. Ça va me donner le bonus loyaux. Donc plus d'attaque et de défense. Je sais pas si je vais m'en servir, mais au cas où. Au moins, ce sera pas loin. J'ai pas assez de voies ferrées ici. Oula, oui. Par contre, est-ce que je vais produire assez de moteurs? Ramenez-moi sur. Hop. On en remet. On est pas mal monté, on a gagné 10 millions là, de PIB déjà. Le niveau de vie a augmenté de 0,2. C'est pas mal du tout. Mortalité policière, l'usage de la force est justifié. Il faut respecter le caisseur. Même si bon, je comprends que vous voulez pas le respecter. Y a pas de problème, mais... Mais faites pas de bêtises, quoi. Il est pas très gentil, il est bandit, etc. Mais même moi, j'ai envie de m'en débarrasser, mais... Faut le faire de bonne manière, quoi. Accident en teinturerie. Ça créerait les syndicats de travailleurs. Ouais, non, non, non. Non, 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 non. Syndicat de travailleurs en fin de partie, c'est terrible.
Et plus loin, enfin, ouais, plus loin ils arrivent, on va dire, au pouvoir, enfin, c'est un parti politique, mieux ce sera, quoi. J'ai gagné vachement de thunes d'un coup, là. On va faire un pot moyen. On a de bonnes recettes. Ah mais c'est pour ça que je gagne vachement de thunes d'un coup. C'est que j'ai pas assez de prod. On va faire des vêtements en Lombardie, je veux dire. Tac tac tac. Voilà. Et en plus j'emporte assez normalement de tissu. Est-ce que j'ai du charbon? Oui, j'ai du charbon. Des moteurs, j'en avais prévu, je crois, quelque part, non? C'est pas possible, voilà, là. Ils sont planqués là. De la teinture, des teintures, oui, mais des teintures, j'en ai, mais c'est en train de recruter. Comment ça, là? Oui, voilà, c'est en train de recruter. Ça, tout ça, on s'en fiche. Ça, on verra plus tard. Oh, si, je peux faire ça en soi. Où est-ce que j'en produis? Là? Voilà. Ils seront contents. Hop, ça en force. Académie des arts. Ouais, non, c'est bien. Alors, ça me rapporterait. Ça me ferait moins de travailleurs. Ouais, mais j'aurais pas assez de transport. Enfin, ça deviendrait très cher. Je peux passer à fusil à répétition. C'est ce que je vais faire. De toute façon, je suis subventionné pour ça. Donc on va garder. Côté en bourse, ce serait même pas bon. Ça me ferait perdre plus d'argent. C'est pas bon. Allez, bon, ouais, effectivement, là, je perds un peu plus d'argent. Ah oui, mais ça. Ça, je m'en fiche, j'en ai peu. J'ai quand même 30 industries alimentaires, hein. J'en ai pas fait une seule, tout était déjà. C'est que de la récup. La vache. Le problème, c'est que j'ai pas de sucre. Enfin, j'en ai pas assez. Je veux bien faire ça, mais. Je vais faire une route d'importation de sucre. Ouais, personne en produit. Super. Peut-être au Cameroun allemand. Je sais qu'il y a pas mal de population. Est-ce qu'il y a du sucre? Ouais. On va faire. Une vingtaine de plantations de canne à sucre. Il y a encore le soulèvement là-bas. Ouais, ils sont perdus entre deux là. C'est bon, le bois, ça. Le bois, on a réussi à peu près à juguler ou pas? Oh, mais non, on en apporte encore 6000. Oh, la blague. Là, non, bah là, non. Enfin, là. Ouais. Ouais. Là, ça sera bon. Oui. Oui, je calcule en même temps. Si j'ai assez de travailleurs. Non, ça j'en veux pas. Ça va être limite. Ça va être limite. Non, ensuite c'est pas assez, hein. La vache, mais la consomme. Attends, mais j'utilise où tout ce bois-là? Secteur de construction. Oui. Oui, effectivement. Effectivement, j'ai quelques secteurs de construction qui consomment des bois. Ouh la vache.
Alors, oula. Oui. Sérieusement, un bohème là? En Silésie, aïe aïe aïe. J'ai plus assez d'employés. Je n'ai pas assez d'employés. Help! Ouais, ici c'est bon. On a gagné plus 30, hein. 30 millions. Oui, c'est ici qu'on va se laisser pour l'épisode d'aujourd'hui. Bon, on aura presque stabilisé notre économie. Là, il manque vraiment moins 100, enfin, je suis à 139 000 à économiser par tour. Ce sera bon après. On aura fini surtout avec oui, les radicaux français. Hein. Ils nous auront bien embêtés. Sur ce, on va se laisser là. Donc, on se retrouve tous les lundis, les mardis et les jeudis à 11h pour les épisodes de Let's Play. Tous les vendredis à 15h pour les épisodes de Let's Play narratif. Et de temps en temps, le mercredi et le week-end pour les épisodes, des épisodes spéciaux. Hein, ça peut être sur tout et sur rien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt. C'était Thiob. Ciao.